Eh bien, bonjour tout le monde. Me voici donc arrivée sur ma vidéo du mercredi après-midi. Donc, je vais attendre un petit peu qu'il y ait des personnes qui arrivent. Donc, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer donc un petit moment ensemble pour créer, pour faire un petit atelier. Donc je dis bonjour à Annie, bonjour à Edith, bonjour aux personnes qui vont arriver. Et je vous remercie d'être là avec moi cet après-midi. Donc je m'appelle Prisca Benedetti, Descartes pour le dire. Alors aujourd'hui nous allons faire ce petit, je l'ai appelé un album à poser. Parce qu'au lieu de s'ouvrir comme ceci et avec des feuilles pour voir les pages, etc., on peut donc le poser sur un meuble ou sur la table pour en fait un peu comme un sous-main. Et il s'ouvre comme ceci. Et dans la couverture ici, de l'autre côté de la couverture, on va avoir le petit album ici qui va se glisser. Donc vous pourrez le faire avec plus de pages que moi. Ça, c'est suivant votre besoin. Ici en haut. Et ici en bas, on a ici, ça s'ouvre comme ceci. Et on a également de quoi mettre deux photos et ici un petit post-it. Et je vous expliquerai également si, contrairement à moi, vous avez besoin de plus de pages. Je vous montrerai donc pas aujourd'hui, mais dans la prochaine séance, comment rajouter ici encore des feuillets pour pouvoir faire un petit peu plus épais. Parce que là, pour dire de mettre un peu plus de photos. Voilà, ça dépend de votre besoin. Voilà, donc là, je l'ai fait cette fois-ci, là, avec toujours la collection avec la grue porte-bonheur, avec un des papiers qui est dans la collection, et puis avec le set de tampons et les découpes qui vont avec. Voilà, bonjour Brigitte, bonjour Chantal, ben merci pour vos commentaires, c'est très gentil. Donc aujourd'hui, on va le faire, je vais le faire, et ben vous certainement aussi, avec un autre papier pour changer un peu les couleurs. Et donc aujourd'hui, je vais le faire dans les tons un peu verts. Et puis, ben, le thème, bon, je ne sais pas encore trop, puisqu'aujourd'hui, on va faire que la couverture, je vais y réfléchir. Mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je vais le faire dans les tons un peu verts. Je vais vous montrer après les papiers. Alors, pour vous expliquer, donc aujourd'hui, on va faire ici la couverture cartonnée, là, on va la recouvrir. On va recouvrir également l'intérieur. Et je pense qu'on sera pas mal dans le temps. Je verrai bien le temps comment ça se passe. De ce fait, pour la prochaine fois, pensez à choisir votre thème et puis trouver des découpes que vous avez chez vous par rapport à votre thème. Et puis, vous voyez, quelques découpes. Hein, moi, j'ai mis là des fleurs, etc., des tamponnages pour pouvoir préparer. Donc, comme ça, mercredi prochain, on commencera par décorer la couverture avec les découpes que vous aurez fait en devoir à la maison. Ici, pour vous dire, mon bébé bonheur, là, vous l'avez deviné, ce n'est pas un tamponnage. Hein. Je l'ai fait avec mon imprimante et après, je l'ai imprimé sur du papier cartonné puisque je voulais faire le rapport bébé bonheur avec la grue porte-bonheur. Donc, on va faire ça aujourd'hui et puis on verra bien où est-ce qu'on en est. Alors, pour ce, je vais vous expliquer là pour faire la couverture. J'ai pas pris cette fois-ci de la couverture trop épaisse. J'ai pris les petits papiers cartonnés qu'on a avec les papiers qu'on a dans les pochettes. Souvent, dans les pochettes de papier, on a des petites feuilles comme ça cartonnées. Alors bon, elles doivent faire 1 mm, hein, c'est pas vraiment épais. Mais bon, j'ai fait avec ça. Je trouve que c'est pas mal. Ça a l'air d'aller. Je commence à plus avoir trop de cartonnettes en stock. Alors, pour ce, comme je vous avais expliqué dans l'événement, je vous avais donné les mesures de la cartonnette pour comme ça, pour que vous puissiez les faire un peu à l'avance. Donc, il fallait deux morceaux de 22 sur 15. Donc, les voici, les miens ici, 2 fois 22 sur 15. Et un morceau ici de 3 sur 15. Ça, c'est pour faire ici, vous l'avez deviné, le haut. Donc voilà ce qu'on aura besoin aujourd'hui. Ensuite, donc moi je vais prendre ce papier vert ici. J'ai sorti cette collection
qui est de Stampin' Up et qui s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, la série Désigne spéciale encre animée. J'aimais bien ce papier-là. Il y a pas mal de papier un peu artistique. Et voilà, je me suis dit que je pouvais prendre aujourd'hui ce papier. Donc je vais prendre, je vais pas faire les deux avec le même papier, contrairement à mon modèle où j'ai mis le même papier partout. Voyez, on peut faire un peu comme on veut. Et ici, j'avais envie de mettre ce papier-là sur le devant et ce papier-là derrière. Voilà, pour faire deux papiers différents, mais deux papiers qui collent bien ensemble, bien sûr. Alors, les mesures de ces papiers. J'avais un petit carton, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Papier à motif. Bon, bah, je vais vous les dire. Donc, ça, c'est pour recouvrir ici, hein, la cartonnette. Alors, pour recouvrir, elles font 24 x 17. 24 x 17, j'ai juste mis 1 cm de chaque côté en plus pour pouvoir replier le papier dessous. Donc, soit le même papier à motif pour les deux comme moi, soit comme aujourd'hui, deux papiers différents. Et je dis bonjour à Vanessa qui vient de nous rejoindre. Donc, ça, c'est pour recouvrir. Donc, le reste, on en parlera après. Bon, on va déjà faire la couverture et puis ça, on le fera au fur et à mesure. Alors, pour refaire la couverture, vous allez avoir besoin d'un pinceau, parce que quand on encolle un papier à motif sur une cartonnette, c'est bien de mettre vraiment de la colle tout partout et non pas comme ça pour que ça colle vraiment bien tout partout. Donc, un petit pinceau plat hein, qu'on a tout partout. Et puis, de la colle blanche. Donc, moi, je prends toujours celle-ci. Ça, c'est de la colle. Flexicol, c'est de la colle, ça s'appelle ça, de la colle blanche vinylique, forte. Bon, bah forte, bon, faut quand même que ce soit costaud. Mais bon, après, je pense que n'importe quelle colle blanche peut faire l'affaire. Alors, pour commencer, vous allez prendre donc votre papier à motif pour faire, bon, on va dire pour faire la page de devant. Donc, moi, je vais prendre celui-là. Et je vais prendre ma cartonnette. Donc, je vais bien sûr la mettre sur l'envers. Hein. Ça, c'est l'envers de mon papier. Et ma cartonnette va venir ici se positionner comme ça dessus, avec 1 cm tout le tour. Alors, donc on va commencer. Bon, là, c'est tout simple, hein, puisque je vais vous expliquer. Mais en fait, on fait à part la couverture ici de la première, la deuxième, c'est deux cartonnettes qu'on recouvre à part. Et c'est après qu'on vient relier ici le milieu. Et c'est pour ça qu'il vous fallait, j'ai oublié de vous dire, un petit papier, soit de SilverTex. Alors le SilverTex, si j'arrive à le dire, c'est quoi? C'est du papier un peu imitation cuir. Alors bon, j'ai mis ça pourquoi? Parce que c'est plus facile à étirer. Et on est sûr que ça ne se coupera pas ici dans les arêtes. Ici, ça ne va pas se couper. Donc c'est ça le plus facile pour travailler. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un papier cartonné pas trop épais, comme dirait l'autre à la pub, mais qui puisse quand même être souple et puis qui soit en rapport. Donc prenez du blanc ou du vanille, quelque chose de plus clair pour que ça tranche quand même avec la couleur ici du papier. Coucou Nicole. Et puis, bah, pourquoi pas, vous pouvez l'embosser à ce moment-là. Parce que vous voyez, moi, mon petit papier SilverTex, il a un petit 3D là. Bah, vous pouvez peut-être l'embosser pour faire un peu plus joli si vous avez des plioirs embossés dans vos tiroirs. Alors, donc, papier SilverTex, après. Je reviens à mon mouton. Donc, je prends ma colle. Voilà. Et puis, bah, je vais étaler sur mon papier, sur mon carton. Donc là, on étale bien tout partout. C'est pour ça qu'il faut quand même un pinceau qui ne soit pas trop gros. Un pinceau pas trop fin. Sinon, bah, ça prend 3 plombes 50. Donc on en met bien dans les coins, parce que c'est justement là, bien les coins qui vont être importants. Donc pas loin sous le coude, on va dire, on va avoir notre petit chiffon après pour pouvoir maroufler. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour pouvoir qu'il n'y ait pas de petites bulles. Bon, après, avec les papiers design comme ça,
Il n'y a pas trop de bulles, hein. Ça doit être la bonne épaisseur parce que ça fait pas trop de bulles de colle et il n'y a pas besoin de maroufler comme une malade. Ça se passe quand même relativement bien. Donc c'est carrément les papiers à motif. Celui-ci, il ne doit pas être trop épais ni trop fin. C'est le bon créneau. Voilà, une fois que j'en ai bien mis tout partout, comme ça je vais le prendre. Et le retourner ma cartonnette pour le positionner sur mon papier que j'avais mis à l'envers. Donc j'essaie de le centrer. Comme ça je peux appuyer. Je vais prendre mon petit chiffon. Voilà. Et je vais le retourner aussi pour pouvoir bien appuyer. Vous voyez, ce papier il est vraiment beau, hein. On a fait des projets avec ce papier. Ce papier-là, qui est vraiment il a un look vraiment artistique. Donc, je reprends comme ça dans le sens envers et je vais continuer à mettre. Non, avant de mettre du papier, on va réfléchir un peu. On va se couper un peu les coins ici, là. On va les couper comme ça, un peu en arrondi, comme ça, les coins. Et comme il y en a quatre, ben, on fait les quatre. Donc, il n'y a pas beaucoup de papier à rentrer. C'est relativement facile. J'ai voulu ranger, puis du coup, mon pinceau, il est tombé. Voilà. On va le reposer. Alors, on prend son pinceau et là, on va mettre de la colle sur notre petite bordure et bien sur la tranche de votre cartonnette. Bon, la tranche, elle n'est pas bien épaisse, ça ne fait qu'un millimètre, mais il ne faut pas l'oublier. Et c'est sûr que, comme dit Nicole, c'est vrai que ce genre de papier avec des filets d'or comme ça à l'intérieur, ça fait toujours classe. On peut faire tout ce qu'on veut, ça restera toujours classe. On peut ajouter la petite touche dorée dans les embellissements. Et du coup, le papier fait beaucoup de choses. C'est vrai que ce papier-là, il était quand même sympa. Et l'autre papier que j'ai travaillé, là, le papier bonheur, c'est pareil, hein. Dans ce papier-là, vous allez trouver également avec la petite grue bah, votre petit filet d'or également. Donc ça, c'est bien. Donc là, je vais replier mon papier. Je prends mon chiffon, comme ça, je ne m'en mets pas partout. Et j'appuie bien tout partout. Pareil sur tous les côtés. Si on veut, on peut prendre aussi le plioir pour pouvoir appuyer comme ça pour que ce soit bien. Ah ben je vois que Laurie elle a dû arriver parce qu'on voit coucou Laurie. Bah coucou Laurie. Laurie qui a pris tout son matos avec elle pour pouvoir travailler. Voilà. Et on continue. Donc ce petit mini là, moi je l'ai fait en version un peu naissance pour la naissance d'un bébé puisque c'est petit bébé bonheur. Après on peut le faire pour plein de trucs, hein. On peut le faire pour par exemple une communion, quelque chose qu'on a fait ensemble, un repas de famille qu'on a fait ensemble et auquel on a fait des photos et qu'on veut les réunir dans ce petit recueil de photos. Un anniversaire. Bon, pour un mariage, il faudrait peut-être plus de. Je crois qu'on peut mettre une quinzaine de photos. Ou juste peut-être, pourquoi pas, hein, une petite excursion en montagne ou dans la nature. Et ensuite, on veut les garder en souvenir dans un bel écrin, pourquoi pas. On a plein de thèmes différents. Moi, je sais que je vais le mettre de ce côté-là, ça a collé. Je vais mettre un petit carton en dessous. Voilà. Alors, voilà ma première partie qui est faite. Vous voyez, c'est tout simple, hein. On va faire pareil avec le dessous. Donc, moi, je vais prendre ce côté-là. Donc, je fais comme ça. Et je reprends ma deuxième cartonnette. Et je fais pareil. Alors, après, je ne vous ai pas donné, c'est les mesures pour recouvrir.
la tranche. Donc, je vais vous les donner après. Puisque avec la tranche, que je réfléchisse. Ah bah non, 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 je suis bête. Non, non. Pour recouvrir la tranche, c'est avec le Silver Text. Donc, ça, je vous l'ai dit. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Bah, j'espère qu'il fait beau chez vous. Parce que ici, en Savoie, c'est super. On a un soleil d'enfer. Bon, ça reste toujours un peu frais, mais c'est un peu moins frais que ce qu'on a vécu depuis un mois. Mais bon, comme disait ma grand-mère, c'est du bon temps. C'est du temps, ça tue les bestioles. Et surtout, on a un super ciel bleu avec un beau soleil. Il doit y en avoir du monde en train de skier, là, je vous le dis. Parce que c'est quand même sympa. Le jour où on va revoir la pluie, ça va nous faire tout bizarre. Voilà, donc là j'ai presque fini. Oui, c'est vrai que ces papiers sont vraiment beaux. Celui-ci, là, je m'en suis pas encore servi. À chaque fois, je le mets de l'autre côté, mais je suis en train de me dire qu'il est quand même mignon aussi, là, avec les tons pêche, les fleurs. Et c'est le petit pistil là au milieu qui est en doré. Ils ont le coup pour mettre toujours une petite couche de doré sur les papiers au bon endroit. Voilà, donc je fais comme tout à l'heure, hein, je retourne. Et oui, grand soleil, Nicole, on en a de la chance. Voilà, et j'appuie. Moi, je vais peut-être le pousser un peu par là parce que ça va pas être au milieu. Voilà, c'est ça qui est bien avec la colle, c'est qu'on a encore le temps de pousser si on a fait une petite bêtise. Ça rend la chose un petit peu moins grave, on va dire. Voilà, alors on va mettre notre colle comme tout à l'heure. Bon là c'est un petit peu longuet, hein, mais ça se fait bien, c'est pas trop chiant, trop embêtant, on va dire. Ah, j'ai pas coupé les coins. Bon, ben, mon ciseau, il va encore être tout en collé. À chaque fois, je fais ça. Je mets ma colle et j'oublie de couper le coin. Et comme ça, ben, mon ciseau, il est bien en collé. Et puis après, ben, j'ai plus qu'à le frotter avec là, le machin, là, le 4240. Ça va bien. Voilà. Bon, ben, allez, tant pis, hein. On y va après. Voilà. Bonjour à Aude qui nous rejoint. Alors, vous inquiétez pas si vous nous rejoignez en cours. C'est pas bien grave puisque le replay va rester Eternam sur ma page. Et l'événement est toujours là, donc il n'y a pas de problème. Voilà, alors on replie le petit papier. Il est où mon truc là? Hop. Ah oui, avec du dissolvant, ça marche. Oui, c'est vrai. Moi, je prends ça, là. Moi, je fais pas de la pub, hein, je m'en fiche, mais je prends ça. J'ai trouvé ça dans l'atelier de mon mari. Ça va très bien, ça, pour enlever. Ça enlève bien la colle. Et sur le massicot aussi, parce que des fois, le massicot, il est dans un état, mon pauvre. Je dois pas être trop précieuse quand même, hein, parce que, je sais pas vous, mais moi. Alors, du coup, bah, des fois, je lui fais une petite toilette. Et je lui fais une petite toilette aussi avec ça. Comme avec les ciseaux. Mais moi, le dissolvant, je vais vous dire, je l'utilise pas trop parce qu'à chaque fois, je me fais un peu chamailler par mon mari. Parce que je vais vous raconter une fois, sur ma balance, on pèse personne. J'avais un petit truc de je sais pas quoi là. Et j'arrivais pas à l'enlever en nettoyant, donc je me suis dit, oh bah tiens, va chercher ton dissolvant, ma pauvre Lucette. Oui, sauf que en frottant avec le dissolvant, ça a cuit un peu le plastique. Et puis du coup, ben maintenant c'est tout opaque. Donc c'est parfait parce qu'on n'arrive pas à voir le poids qu'on fait, comme si on est tranquille. Mais bon, ça l'a pas fait. Voilà. Eau écarlate. Ah, mais je savais pas que l'eau écarlate s'enlevait la colle. Je croyais que c'était juste pour le linge. L'eau écarlate.
Mais voilà, donc le dissolvant, maintenant je l'utilise avec modération. Parce que, du coup, enfin, j'ai la balance, mais il faut avoir. C'est pas. Elle est pas belle, quoi, du coup, c'est pas top. Hein. Voilà, donc là j'ai fait le dos. Là, j'ai fait le devant. Quand on a fait ça, nous allons réfléchir. Oui, nous allons bah, mettre le SilverTex ici. Comment j'ai fait là? Alors, ah oui, ça y est, je sais. Bon, c'est pas grave, je parle tout seul. Alors, on va prendre ces deux morceaux. Bon, ça, je l'enlève. Oh, c'est tout en collé. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez, hop. Je vais mettre ça là. Un truc comme ça collera pas. Alors, on va prendre son morceau de SilverTex ou si vous n'avez pas, comme je vous disais tout à l'heure, là, le petit papier que vous allez pouvoir embosser. Alors, ça va faire 15 sur 18 cm. Ici, c'est mal coupé. 15 sur 18. C'est là, par contre, qu'il va falloir faire attention à que ce soit bien droit. Parce que, bah, de toute façon, je vous explique tout ce que je fais comme bêtise. Ici, c'était pas bien droit. Voilà pourquoi j'ai mis un petit ruban. Et puis, remarquez, je viens de me rendre compte que ici, j'ai un problème de vision. Hein. Je fais tout. C'est pas bien. Bon. Alors, vous prenez vos deux cartons. Donc, ici, vous avez là celui de devant et là celui derrière. Remarquez, ça n'a guère beaucoup d'importance. Vous allez prendre votre petite cartonnette ici du début. Donc, il fait 3 sur 15. Et vous allez la placer là ici au milieu pour vous rendre compte à peu près de ce que ça peut donner. Hein. Ça va faire ça. Alors, entre les deux, si votre cartonnette n'est pas trop épaisse. Vous mettez que 2 mm, ça c'est pour être sûr qu'en pliant ça ne reste pas ouvert. Et si jamais votre cartonnette est un peu plus épaisse, ben là vous mettez en conséquence, vous mettez bien 5 mm pareil, parce que pensez qu'en faisant comme ça, il va falloir quand même de l'aisance à la chose. Donc ici votre SilverTex, ben bien sûr il va aller en dessous, donc vous allez mettre l'envers vers vous. Et le bon côté vers la table, sur la table. Et vous allez le mettre dans ce sens-là. Je le vois pas droit, moi, mon truc, hein. Je vais le recouper, je te parie que je l'avais pas. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? 15 sur 18. Je crois. Réfléchis. 15 sur 18. Alors, SilverTex. Oui, c'est ça, 18 sur 15. Alors, je vais vérifier parce que là, mon papier, il n'est pas droit. Alors, 18, déjà, on est mal, on est mal, on est mal, il ne fait pas 18. Bon, après, ça fait pas trop 18. Moi, c'est tout le papier qui me reste, alors j'ai pas le choix. Si, ça fait 18, c'est bon. Donc là, on est bon. Et l'autre côté, ça doit faire 15. Ça a l'air bon aussi, pourtant, je suis quand même pas bidouée, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Ouais, il est un petit peu en biais, je vais le recouper un petit peu d'ici. Voilà, après si vous avez le 15, il faut que ce soit 15 quand même, mais les 18, ça peut être 17 et demi, c'est pas bien grave. Alors, vous passez votre papier comme ça. Donc les 15 cm, ils sont ici sur la comme ça. Voilà, les 15 cm sont ici. Et on vient donc mettre notre couverture. Elle va venir ici et là ici. Alors, pour que ce soit assez droit, on va prendre le milieu de notre papier avec petite règle. Donc ici, on est à. Normalement, on est à 18, sauf que la règle, elle est trop petite. Alors. Oui, bah, je ne suis pas à 18, hein, je suis à 17 et demi. Donc, vous prenez le milieu de votre papier. Voilà, moi, c'est 8,75 à peu près. Hein. Je fais
un petit repère ici. Ici, on va poser notre cartonnette à peu près, c'est pareil, dans le milieu par rapport à notre repère. Comme ça, la cartonnette, elle sera posée. Et là, on va la coller, la cartonnette, tout de suite. Donc, comme ça, on va la coller dans le milieu. Alors, on prend à peu près le milieu. Et là, on fait pareil. Voilà. Ensuite, on va reprendre son pinceau. On va mettre de la colle sur la partie droite. On va prendre la cartonnette, donc soit l'un soit l'autre, hein, du dos ou du devant, et on va venir la poser comme ça au-dessus en gardant nos 1 ou 2 mm. Oui, on peut prendre un carton pour faire l'épaisseur de une petite chute de carton pour voir pour l'épaisseur. Moi, j'ai pas de souci parce que elle est vraiment pas épaisse ma cartonnette. On va retourner de l'autre côté et on va bien le positionner pour que ce soit bien droit et on va appuyer un petit peu pour maroufler. On va prendre le plioir. Et comme ici on a une on a entre les deux là, on appuie un peu pour qu'il prenne bien sa place déjà tout de suite dans notre creux ici, dans le creux du papier. Comme ça, avec la colle, ça va bien se placer. Alors, avec le Silver Tech, ça va bien parce que ça épouse, hein, ça s'étire un petit peu. Hein. Bon, normalement, le papier, ça doit aller aussi. Mais je sais que des fois, suivant les papiers qu'on prend, c'est un peu plus galère. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Du coup, je vais essuyer avant la colle, avant d'en mettre plein ma couverture. Et on va venir faire la même chose avec l'autre cartonnet. Voilà, on retourne. On la place bon, ici. Pareil de chaque côté. Ouais, ici, elle n'est pas tip top à un moment. Bon, c'est un exemple. Il va falloir que je refasse autre chose. Elle n'est pas, comme je disais, elle n'est pas droite. Et vous faites pareil. Ici, vous appuyez pour que ça prenne bien la forme. Ici, pour la tranche. Et voilà. Donc là, on va revenir comme ça. Et cette fois-ci, je vais vous donner les mensurations, les dimensions pour pouvoir recouvrir l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, on va prendre ici un papier de 10. Bah, normalement, sur... Bon, ça fait un peu plus que 15, mais j'ai... Moi, mes cartonnettes, elles font plus que 15. Donc, de 10 sur 15, et moi, je vais faire sur 15,4. C'est pour ça que... Je les avais découpés avant, mais j'ai dû me tromper comme d'hab. Alors, on prend un papier. Ici, moi, j'ai pris le même papier à chaque fois. Comme pour l'euro, j'avais pris le même papier. Donc, je vais reprendre du papier vert.
Oula, c'est pas le même. Ou alors on peut faire une couleur, hein. On peut faire un peu comme on veut. Moi je suis sur la fin. Ah non, il est là. Voilà. En voilà. Alors. Voilà. Donc on fait 10. Et ici sur 15. Donc on va venir coller ici. Voilà, moi il faut que je recoupe encore un petit peu. Donc vous le mettez suivant si vous avez fait 15 piles ou pas. Et on va mettre donc de la colle, pareil sur l'envers de notre papier. Et on vient le coller comme ceci. On vient centrer par rapport au milieu. On reprend notre chiffon. Et là, on va donc faire pareil. On va reprendre notre plioir. Et on va aussi appuyer tout doucement dans le creux. Donc le creux, il est où? Je ne le vois pas. Le creux, il est par là. Voilà. On vient appuyer un peu dans le creux pour pouvoir bien replacer le papier. Après, si on ne fait pas ça, ça va sécher et puis ça va faire une soufflette. Enfin, une petite bulle, là, je ne sais pas comment on dit. Soufflette, je crois. Voilà. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne ici. L'intérieur qu'on peut commencer à plier, et ici on a donc le devant et le derrière, et ça nous fait comme une petite tranche un peu qui va trancher avec l'autre papier. Ensuite on va donc recoller ici pour mater ici un papier de 21,5 sur 14,5. Donc on en fait deux pareils, 21,5 sur 14,5. Donc ça, je vais le pousser. J'espère que je vais avoir assez de papier sur la fin, moi. 14,5. On va en mettre un autre, hein, parce que j'ai peur de ne pas avoir assez. Je vais faire l'intérieur avec celui-là. Voilà. Parce que sinon, je vais être roulée. Donc, alors. Qu'est-ce que j'ai dit? 10,5, 21,5. Si je fais ça, je vais enlever un morceau tout autour. Je sais pas où est-ce que j'étais chercher ce massicot. C'est un vieux massicot de la guerre 14. Qu'est-ce que j'ai mis au massicot, moi? Je vais charger, là. C'est pour ça que ça ne va pas. Bon, alors. Donc, là, j'y mets...
Qu'est-ce que j'ai dit? 10 et demi, 21 et demi. Qui c'est qui va se faire encore avoir? Non, ça doit pas être moi. Non, c'était pas 10 et demi. Oh là là. Bah oui, c'était 14 et demi. Oh là là. Bon, allez, c'est parti, mon kiki. On y va. Ça commence par les bêtises. Hop. Oh là 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 là. C'est pas possible, ça. Bon, bah tant pis, je prends celui-là. 14 et demi. Voilà. Donc là, ça va venir ici. Voilà. 21 et demi. 14 et demi. En plus, je fais une bêtise et du coup, je vais devoir en prendre encore un. C'est pas vrai. Bon, allez. Ça va aller. Voilà, donc je vais faire avec celui-là pour l'autre côté. Donc, quand vous avez fait découper, j'espère que vous n'avez pas mis aussi longtemps que moi, parce que là, moi, c'était pas top. Donc, au bas. On fait pareil, on colle. Voilà, bah je dis bonjour à Isa, je pense. Il y a quelqu'un qui est arrivé. J'ai pas vu. Coucou, j'étais. Du coup, maintenant, je vais avoir une bouffée de chaleur. Et voilà, tu t'énerves, t'as une bouffée de chaleur. Oh bah, comme ça, on fait moins de chauffage, tiens. Une bouffée de chaleur, pour que, si ça peut servir à quelque chose. C'est pas mal. Voilà. Et ça, je vais venir le coller au dos. Enfin, pour moi, c'est au dos. Voilà. Voilà, et puis après, bah, vous faites la même chose avec l'autre côté. Et comme ça, bah, on a recouvert l'extérieur et l'intérieur de notre petit mini. Enfin, petit, pas si petit. Hein. Oh, c'est dommage, je vais mettre de la colle là-dessus. Regardez comme c'est beau. Oh. J'ai toujours du mal. Alors, pourquoi ils mettent du papier avec deux motifs différents. À chaque fois, ça nous troue le cœur là de mettre de la colle sur l'autre côté parce que des fois, on aime bien les deux côtés. Moi, ça m'arrange des fois quand il y a un côté beau et un côté moche ou qu'on aime moins bien. Après, la beauté, c'est relatif, hein, Mais quand les deux sont beaux, et ben, en général, ben, je ne prends pas le papier parce que ça m'enquiquine de cacher un côté. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi ou si je suis pas normale, mais voilà, moi je trouve que ouais, certains papiers sont tellement beaux, il faudrait pouvoir faire qu'un côté, qu'on aurait moins mal au cœur. Voilà, donc je vais essuyer. Et on y va de l'autre côté.
Oui, eh ben c'est ça, Edith. Du coup, on les garde. Est-ce que c'est pas bête cette histoire? Du coup, ça reste dans nos tiroirs parce qu'on a du papier qu'on aime tellement bien des deux côtés qu'on a... on a un problème, hein, là. Il y a un problème. Hein. Il va falloir faire quelque chose. Alors, Stampin' Up, faites des papiers plus moches de l'autre côté. Voilà. C'est une requête. Voilà. Bon, ben moi, je vais un peu essuyer là parce que j'ai mis de la colle de partout. Je vais essuyer légèrement parce que ça ne va pas faire. Eh bien, je vais pouvoir vous donner les mensurations pour faire la première petite pochette à l'intérieur. Je vais vous montrer sur le mini ce que c'est, de quoi je vous parle. Voilà. Hop, je vais faire un petit rangement parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver. Et je vais vous montrer ça. Alors, de quoi je vous parle? Je vous parle de... Donc ça, on a fait ça, on a fait ça. Ça, on fera la prochaine fois. Donc, en devoir à la maison, vous aurez les petites ici... Ah oui, bah oui, c'est moins triste de couper, non mais c'est sûr. Vous allez le faire chez vous. Alors, ici, quand on ouvre... On a une petite pochette ici, donc c'est la petite pochette dans laquelle on va glisser l'album. Donc ça, on va pouvoir s'y atteler là tout de suite. On a encore un petit peu de temps jusque notre heure terminée. J'ai de la colle plein les doigts. Donc moi, j'avais pris un petit papier rose avec des petits pois, donc j'avais dans mon tiroir. Et j'ai sorti le set de tampons avec le petit panda là qui berce son petit bébé. Et j'ai mis un tout petit cœur collé ici. Sur ton pour le décorer. Alors, les mensurations de cette petite pochette. 19 sur 10 cm en uni. Donc vous allez choisir un papier uni qui va bien avec avec votre papier ici à l'intérieur. Donc ça marche comme ça et moi il va aller là. Donc moi je vais prendre un vert un peu plus foncé ici. Un vert un peu plus foncé. Et qu'est-ce que j'ai dit? Bah celui-là, il va aller bien. Alors, c'est 19 sur 10. Bon, on va peut-être aller celui-ci. Utilisons nos petits papiers. Impeccable, impeccable. Alors, 19 sur 10. Allez, on continue de ranger là. Et on va se faire la petite pochette. Alors, massicot. Alors, on place notre papier et on va l'ouvrir. Alors, 19. Et dans l'autre sens, 10 cm. Voilà, ça nous donne ceci. Donc, vous prenez un petit papier uni. 19 sur 10. Ensuite, il va y avoir une petite pliure à faire d'un centimètre sur trois côtés. Donc, elle va se placer comme ça. Donc, on va faire un centimètre plié ici, ici et ici, sur trois côtés. Donc, on va prendre le massicot. L'outil qui coupe, on le met bien en bas pour ne pas faire de bêtises. Et on y va, on fait un centimètre à plier sur les trois côtés. Normalement, il n'y a pas besoin de faire de petits plis d'aisance parce que mon album, il n'est pas bien épais. Donc ça rentre quand même bien comme ça sans faire de plis d'aisance. Si jamais vous voulez un album un peu plus épais, pensez à ce moment-là de refaire un pli. Donc vous avez fait le pli à 1 cm et vous refaites un pli à 1,5 cm ici, ici et ici. Comme ça va vous faire un petit soufflet, un peu plus d'aisance. Ça va vous donner 5, 0,5 de...
d'épaisseur, on va dire. Bon, là, il n'y a pas besoin. Donc, je ne le fais pas. Alors, quand on a fait ça, on va couper ici le carré qu'on a obtenu en bas des deux côtés. Et on va couper en biais ici pour faire des petites pattes pour pas que ça gêne. Voilà, donc on va plier les trois côtés. Et vous avez compris, il suffira de mettre de la colle tout partout et venir nous le coller donc ici. Pour faire notre petite pochette. Donc là, à peu près à droite, on laisse qu'un centimètre parce qu'il faut quand même qu'on puisse faire dépasser notre petit mini. Et là, on le centre. Ensuite, pour mater ici cette petite pochette, vous allez donc prendre un papier de 8,5. Voilà, sur, bah, ça doit être 18,5. Hein. Non, ah bah non, du coup, réfléchis. 8,5 sur 16,5. Un papier à motif. Moi, je vais reprendre du comme ça je vais venir ici dans ma tâche. Et j'ai dit 8,5 sur 16,5. Voilà, j'ai comme il me restait un morceau avec une tache comme ça, j'ai pris de chaque côté pour pouvoir avoir que la tache comme ça qui monte. Comme ça, je vais pouvoir ici mater ici ma petite pochette. Voilà. Donc ici, il va nous rester à coller tout ça et à mettre ça ici, à le placer. Donc, pendant ce temps-là, qu'on va coller tous ensemble, je vais vous dire. Pour la prochaine fois. Donc, vous n'oublierez pas de faire vos petits embellissements. Alors, vous faites des tamponnages, du découpage. Vous vous servez de vos dies pour pouvoir faire des petits embellissements pour la première de couverture. Vous pensez donc à votre thème. Vous mettez votre vœu. Si vous n'avez pas le vœu qu'il faut, ben vous faites comme moi, vous prenez votre imprimante et puis vous tapez le vœu avec une jolie calligraphie. Et puis vous l'imprimez sur un papier un peu cartonné. Si vous avez une imprimante un peu sympa qui vous enquiquine pas tous les 4 matins, ça devrait le faire. Moi, la mienne, ça dépend des jours. Hein. Des jours, elle n'est pas sympa. Mais là, pour une fois, elle a bien travaillé. Elle a fait ce que je lui ai demandé. Ça fait plaisir. Donc ça a été. Mais bon, il y a des fois, elle se fait un peu, je lui dis, il y a des noms d'oiseaux parce qu'il y a des jours, elle ne veut pas. Bon. Donc c'est très bien aussi quand on imprime. Hein. Ça vous donne un plus large choix bah, pour le titre de votre album. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez puisqu'il suffit de l'orthographier sur Word ou un traitement de texte. Donc là, vous allez préparer donc les embellissements. Donc ici, vous prenez des petites pinces. Moi, je prends toujours des petites pinces. Et on va venir placer ici, donc tout d'abord, le bas de la pochette. Comme ça, je vais venir avec les pinces. Et on plie ici. Ah, voilà, bah ça ne marche pas. Ma pince, elle n'est pas assez longue. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on replie. Voilà, donc on va appuyer un petit peu. Donc voilà notre petite pochette. Donc la semaine prochaine, vous faites ça, les petits embellissements.
Nous, le mini-album, on va le faire tous ensemble la semaine prochaine. On aura ça à faire et puis un peu le bas. Donc en 1 heure, hein, ça va être faisable sans problème. Ici, donc, soit vous mettez comme moi j'avais fait. Soit vous mettez un petit ruban ici collé pour faire la transition ou pas. Moi aujourd'hui j'ai fait bien droit, donc je vais pas le mettre. Sinon si j'avais eu à le mettre, bah, c'est facile, hein, vous mettez du double face ici. Vous le posez ici sur votre album, bien droit cette fois-ci, comme ça si vous n'êtes pas droit ça va rattraper un peu. Vous enlevez double face et vous coupez un morceau de ruban de la largeur ici. Et vous allez le coller dessus. Donc ça, c'est au choix. Donc, la prochaine fois, vous préparez donc vos petits embellissements ici à vous, hein, selon votre thème. Votre petit vœu, on collera ensemble. Moi, je préparerai de mon côté. Je vais pouvoir réfléchir quel thème je vais lui donner. Et puis, ben, ensemble, on fera. Donc, on va. Alors, prévoyez un petit embellissement pour ici aussi. Et nous, on fera ensemble le petit mini. Comme ça, la prochaine fois, le petit mini a glissé comme ça. Et ici, on fera ensemble donc ce petit rabat. Et je vous expliquerai comment rajouter ici peut-être des pages ou un accordéon. Ben, je le ferai avec vous. De toute façon, comme ça, ma deuxième version sera. Je pourrai mettre plus de photos. Voilà. Bien là, il est 3h50, bon bah ça va, on a quand même encore un petit peu de temps. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous donner les dimensions, comme ça vous pourrez les préparer. Donc pour la semaine prochaine, vous allez pouvoir préparer 3 morceaux de papier cartonné. Donc moi ici, j'ai voulu prendre 2 verres différents. Comme ça, je vais faire une page plus claire, une page plus foncée, une page plus claire, etc. Donc il y en a 4. Si vous voulez qu'ils soient plus épais, vous en mettez 6. Par contre, n'oubliez pas de faire l'aisance ici sur votre petite pochette, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Vous rajoutez bien un petit peu pour que ce soit plus facile à glisser. Donc, 4 papiers différents et les mesures de ces papiers cartonnés unis, 24 x 12. Ah ben, vous voyez, j'ai marqué 3, j'en ai fait 4. Alors, je sais pourquoi. J'en ai fait 4 parce que j'ai voulu faire 2 couleurs. Donc, je me suis dit que c'était mieux, ça fera le pendant. Donc du coup, moi, le mien ici sera un peu plus épais. 24 x 12. Donc ça, vous pouvez le préparer pour la semaine prochaine et puis vous le mettre sur le côté comme ça, la petite pince dans le coin de votre bureau, comme ça, ce sera préparé. Après, vous pourrez également, que je réfléchisse. Voilà, bah, c'est tout. Et après, pour le papier ici, le papier... Un motif comme ça dessus. Alors, ils font 9 9,3 sur 11 et demi. Et ça, il va vous en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et puis ça dépend si vous mettez plus de papier uni, vous mettez selon le nombre de papiers que vous allez faire, le nombre de pages. Et vous prenez 2 papiers à motifs différents. Donc vous, ça aussi, vous pouvez très bien les préparer avant. Comme ça, on fera ça dès le début. Et ici au dos, bon, c'est pareil, j'avais mis un petit papier de 11,5 sur 1,5. Ça, c'est du tamponnage. Et après, on fera ensemble les trous. Je vous donnerai pour faire les trous ici, pour faire le petit carnet à glisser. Voilà, donc comme ça préparera un petit peu de travail avant. Et puis, je pense que comme ça, en 1 heure de temps, la prochaine fois, on aura le temps de faire la petite pochette ici qui se replie sur l'autre rabat. Moi, ici, vous voyez, je vais prendre quelque chose de lourd. Je vais bien le faire sécher avec dessus parce que comme la cartonnette, elle n'est pas très, très épaisse, ça fait quand même, ça gondole un peu. Donc, j'avais fait ça la dernière fois. Voilà, vous avez toujours des devoirs à faire à la maison. Moi, en fait, je voulais être maîtresse, alors j'en profite. Voilà, c'est ça. C'est mon truc, j'aime bien. Alors, les bons points, bah, pourquoi pas, hein. On verra, hein, peut-être les bons points, mais il faut être très, très sage, hein, pour les bons points.
Voilà, bon bah écoutez, bah pour aujourd'hui c'est déjà pas mal, hein, une petite heure de temps, c'est bien. Moi là, derrière, je vais déjà préparer comme ça, j'aurai déjà mes petits embellissements à faire. Là, et puis il faut que je réfléchisse quel thème je vais choisir, parce que là, du coup, je suis dans le vert, je sais pas trop. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et nous tout ensemble. Et puis, bah, je vous dis, bah, la semaine prochaine, bah, à la même heure certainement, vers les 15h, 15h30, pour pouvoir continuer ce petit mini. Voilà. Merci à toutes. Merci Edith. Merci tout le monde. À bientôt. Travaillez bien. Bisous, bisous.